Bonjour, nous continuons avec le cours Initiation algorithmique et programmation en langage C. Donc ici, nous allons faire le cours numéro 4. Ça concerne les instructions itératives ou bien les boucles. Donc nous allons voir dans ce cours la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée. Puisque ce cours il est un peu long, donc on a vu que de le diviser en trois parties. Donc dans cette première partie, on va voir la boucle pour. Donc les objectifs de ce cours. Le cours numéro 4, c'est de savoir comment utiliser, bien comprendre la notion des instructions itératives, savoir comment utiliser l'instruction pour, bien la boucle pour, et on va voir comment dérouler la boucle pour. Donc, c'est quoi les instructions itératives? Donc, les instructions itératives, c'est les instructions qui nous permettent de répéter un traitement. Donc, il y a trois instructions en algorithme. Il y a trois façons de faire les boucles ou bien de faire les instructions itératives. Donc, il y a la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée. Donc, c'est quoi la différence entre les trois boucles? Donc, dans la boucle pour, elle possède un compteur, une valeur initiale et une valeur finale. Donc, tous ces trois objets, le compteur, valeur initiale et valeur finale, sont des entiers. Le compteur doit être une variable. Par contre, la valeur initiale et les valeurs finales, ce n'est pas obligatoirement des variables. Donc, c'est des valeurs. Donc, ils peuvent être des constantes, des variables, des valeurs fixes ou bien des expressions. Donc, automatiquement, la boucle pour, le compteur sera incrémenté de 1. Donc, le pas de l'itération, c'est 1, c'est automatique. Il y a des langages de programmation où on peut spécifier le pas. Donc, on peut faire le pas 1, le pas moins 1, le pas 2, etc. Mais en algorithmique ici, on fait toujours 1. Automatiquement, c'est 1. Le compteur est incrémenté automatiquement à chaque fin d'itération. Donc, à chaque fois qu'on termine une itération, avant d'aller à l'itération suivante, on l'incrémente de 1. Donc, on lui ajoute 1 pour qu'il saute à la valeur suivante. La boucle tant que, elle ne possède pas de compteur, elle ne possède pas de valeur initiale, de valeur finale. La boucle tant que possède une condition. Si la condition est vraie, on accède à l'itération. À la fin de chaque itération, on revient pour revérifier la condition. Une fois la condition devient fausse, on quitte la boucle. Tant que la condition est vraie, on fait la boucle. C'est comme ça qu'on lit l'instruction de tant que. Donc ça, on va le voir en détail dans le cours, ou bien dans le cours numéro 5 dédié à la boucle tant que. La boucle répétée, elle est équivalente à la boucle tant que. Donc elle possède une condition. Donc si la condition est vraie, on sort de la boucle. À la fin de chaque itération, on revérifie la condition. Une fois que la condition devient vraie, on quitte la boucle. Donc, c'est l'inverse de la boucle tant que. Répétez jusqu'à avoir la condition vraie. Donc, c'est comme ça qu'on lit la phrase. Donc, voilà les trois boucles. Donc, dans ce cours-là, on va se concentrer sur la boucle pour. On va faire la boucle pour. Et les deux prochaines vidéos, on va faire la boucle tant que et la boucle répétée respectivement. L'instruction itérative pour. Donc, en algorithme, on écrit comme ça la boucle pour, donc la syntaxe. Pour compteur reçoit valeur initiale à valeur finale, faire bloc d'instruction de pour, donc un bloc d'instruction, une ou plusieurs instructions, fin pour. Donc, voilà en algorithme comment on écrit. En langage C, for compteur égal VI, point virgule, compteur inférieur ou égal à VF, point virgule, compteur plus plus. Donc l'instruction compteur plus plus, ça veut dire compteur reçoit compteur plus 1. Donc c'est l'incrément. Donc ici en langage C, on peut changer l'incrément. Ça, c'est possible, c'est pas plus 1, c'est possible plus 2. Donc on va faire compteur plus égal 2, compteur moins égal 3, etc. Donc il peut être positif, il peut être négatif, etc. Donc on peut incrémenter, on peut décrémenter. Le bloc d'instruction est fin. Donc ici, vous remarquez, on sait le début et fin, c'est des accolades ouvrantes. L'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Donc ça, c'est le bloc d'instruction de for. Bien sûr, s'il y a dans ce bloc, il y a une seule instruction, les accolades ne sont pas obligatoires. Donc, compteur, c'est une variable entière. Donc on l'a dit tout à l'heure. Valeur initiale, c'est une valeur entière aussi. Valeur finale, c'est une valeur entière. Donc, nombre d'itérations égal à 0, c'est la valeur initiale et supérieure à la valeur finale, égal à VF moins VI plus 1, c'est VI est inférieur ou égal à VF. Voilà, donc c'est ça le nombre d'itérations. Donc le nombre d'itérations, combien de fois on répète la boucle pour, c'est VF moins VI plus 1. Mais si VI est supérieur à VF, donc le nombre d'itérations, c'est 0.
On va prendre un exemple. Pour i reçoit moins 5 à 63, écrire i carré, fin pot. Donc, en langage C, ça devient comme ça. Donc, voilà. Donc, ici, juste, il faut faire attention. On ne doit pas mettre point-virgule après la parenthèse fermante de la boucle for. Donc, si vous mettez point-virgule ici, vous allez couper le for de ces accolades. Donc, ce n'est pas une erreur syntaxique, mais il y aura une erreur logique. Donc, l'instruction printf, elle sera exécutée une seule fois. Elle fera plus partie, ce bloc-là ne fera plus partie de la boucle for. On va voir l'organigramme de la boucle pour. Donc, voilà la syntaxe de la boucle pour. Donc, la schématisation de cette syntaxe est comme suit. Compteur reçoit VI. Une condition. Si compteur est inférieur ou égal à VF, si la condition est vraie, on exécute le bloc d'instruction de compteur. Automatiquement, on incrémente le compteur et on revient pour refaire la condition. Si la condition devient fausse, on arrête la boucle et on continue avec l'instruction qui vient après. Donc, vous remarquez que l'organigramme explique la syntaxe. Donc, c'est comme si une schématisation, c'est une schématisation, mais c'est comme si une explication comment la boucle sera déroulée. Donc, vous remarquez la notion de boucle ici. Voilà la boucle. Donc, c'est le fait de revenir pour revérifier le compteur par rapport à VF. Donc, en langage Pascal, en algorithmique, cette incrémentation, elle est faite pour toutes les valeurs de compteur qui sont strictement inférieures à VF. Et une fois que le compteur est égal à VF, il va entrer, il va faire l'opération et il sort directement. Donc, en général, dans l'algorithme, la valeur de compteur après avoir quitté la boucle, c'est que le compteur prend la valeur VF. Donc, c'est ça la remarque. Donc, à la fin de la boucle pour, la valeur de compteur est celle de VF. Par contre, en langage C, c'est pas la valeur de compteur, c'est pas la valeur de VF. La valeur de compteur, c'est la valeur de VF plus 1. Exemple, écrire un algorithme programme C qui permet d'afficher tous les diviseurs d'un nombre entier n. Donc, ici, on a un nombre entier n. On veut afficher tous les diviseurs. Donc, c'est quoi l'un diviseur d'un nombre? Donc, on dit que D est diviseur de N, c'est le reste de division de N par D égal à 0. Donc, c'est cette expression mathématique qu'on va utiliser. Donc, on va parcourir toutes les valeurs de N jusqu'à N et on cherche les diviseurs de N en utilisant cette formule. Donc, on calcule le reste de division. Si le reste de division est égal à 0, donc on l'affiche. Sinon, on ne fait rien du tout. Voilà, donc ça c'est le schéma d'analyse de ce qu'on veut afficher. Donc qu'est-ce qu'on peut afficher? On peut afficher D1, D2 jusqu'à Dm. Donc toutes ces, puisqu'on ne connaît pas le nombre de valeurs qu'on va afficher, ça dépend de la valeur de n. Donc on va remplacer toutes ces valeurs-là, D1, D2 jusqu'à Dm, les diviseurs de n, on va les remplacer par une variable qui s'appelle Di. Donc on va afficher Di dans une boucle. Donc, variable d'entrée, c'est lire. Variable sortie, c'est écrire DI dans une boucle. Donc, on va l'afficher dans une boucle. Donc, ici, on va remarquer que l'affichage de DI, il fait partie du traitement. Donc, il y a un mélange de sortie avec les traitements. Ça, on l'a dit au cours. Donc, on va voir après les techniques comment séparer les sorties des traitements. Donc, un exemple, donner la valeur de 1, 10, il va m'afficher les diviseurs de 1 sont 1, 2, 5, 10. Voilà. C'est ça, ça c'est un exemple de déroulement. Traitement, donc on va faire quoi ici? On va essayer de faire le traitement avec un pseudo-algorithme. C'est des étapes. On va écrire des étapes, comment on va faire. Donc la première étape, c'est quoi? Donc une fois qu'on a la valeur de 1, bien sûr, pour chaque DI, un entier entre 1 et 1, qu'est-ce qu'on va faire? Soit R le reste de division de N par DI. Donc si j'écris soit R le reste de division de N par DI, on va le remplacer en algorithmique. R reçoit N mod DI, donc le reste de division. Si R est égal à 0, alors DI est un diviseur, donc on va l'afficher. Si R est différent de 0, on ne fait rien. Donc ça veut dire qu'ici, on va faire le test alternatif simple. Si R est égal à 0, on connaît que DI est un diviseur, donc on va l'afficher. Sinon, on ne fait rien du tout. Donc il n'y a pas de sinon, donc c'est un test alternatif. Donc voilà le pseudo-algorithme. Donc comment ça devient ça? Ça devient pour DI reçoit A à N, faire. Donc ça remplace cette expression-là. Okay. Par la suite, R reçoit N mod DI, ça remplace la phrase soit R le reste division. Si R est égal à 0, c'est le test, on va afficher DI. Donc DI c'est un diviseur, donc on doit l'afficher. Et puisque ici, si R est différent de 0, on ne fait rien, donc directement c'est fin ci.
à la fin pour. Donc voilà, on a transformé un ensemble d'étapes en langage humain, naturel, en langage naturel humain, à une écriture algorithmique. Donc ça, c'est parmi les techniques ou bien parmi les manières pour faire l'algorithme de façon logique et simple. Donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez ici qu'il y a deux structures de contrôle. Il y a la structure de contrôle pour, il y a la structure de contrôle de test. Donc il y a une boucle et à l'intérieur de la boucle, il y a une affectation plus un test. Donc on appelle ça les structures imbriquées. Donc c'est une constriction. On a utilisé deux structures et on les a greffées pour créer quelque chose de plus ou moins compliqué. Donc ça, c'est un concept très important dans l'algorithmique, les structures imbriquées, c'est-à-dire si on fait une boucle à l'intérieur d'un test, ou bien un test à l'intérieur d'une boucle, etc. Donc à l'intérieur d'un test, je peux trouver un autre test, et ainsi de suite. Donc ça dépend de la solution qu'on veut faire, ça dépend comment on a trouvé l'idée et notre conception de la solution. Donc j'espère bien que c'est clair ici, donc les structures imbriquées. Maintenant, on va écrire l'algorithme. Donc voilà, donc ça c'est, on a regroupé, on a fait le schéma d'analyse, on a regroupé tout ce que nous avons fait tout à l'heure dans un schéma d'analyse. Maintenant, on va écrire l'algorithme comme suit, donc c'est clair. On va le traduire en langage C de cette façon. Donc bien sûr, il faut vérifier tout ici. Donc normalement, j'ai copié le code vers le online GDB pour vous donner le lien. Donc, le lien, si vous cliquez dessus, vous allez avoir le programme. Vous pouvez le tester en ligne, comme la dernière fois. Donc, je vais afficher la console ici. Voilà, ici c'est la console. Je vais l'exécuter. Voilà. Il vous dit, donnez une valeur entière 1. Si je donne 10, il va m'afficher les diviseurs de 10 sont. Voilà. Si je donne une autre valeur, je vais donner quelque chose de plus grand, par exemple 356. Il va m'afficher les diviseurs de 356. On va faire un dernier exemple. 1025, il va m'afficher les diviseurs de 1025. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc le lien il est là. Donc je vais le mettre dans la description de la vidéo. Donc voilà la boucle pour. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire l'organigramme de cet algorithme pour voir comment il est visualisé. Voilà l'algorithme. Donc on va essayer de faire l'organigramme. Donc on va faire le déroulement, pardon, je m'excuse. Donc on fait directement le déroulement. Donc alors, pour dérouler un algorithme, on fait trois colonnes. Il y a deux colonnes importantes, on a dit, instruction et i variable. Donc la colonne variable, elle est divisée aux sous-colonnes. Chaque sous-colonne, c'est une variable d'algorithme. Donc je vous ai dit, il faut mettre, essayer donc, dans la mesure du possible, de mettre les variables d'entrée au début, les variables intermédiaires au milieu et les variables sorties à la fin. Donc, donner la valeur de 1, ça c'est l'affichage, donc c'est écrit. Donc l'instruction écrire, c'est l'affichage. L'affichage, ça remplace l'écran. Mais réellement, dans le déroulement manuel, ce type d'affichage, les messages d'invitation, ils ne sont pas importants. C'est comme l'organigramme. Les messages d'invitation, ils ne sont pas importants. Lire 1, donc on va donner, donc on va dire 10, comme l'exemple. Après, écrire les diviseurs de 1 sont, donc il va le faire dans l'affichage. Après, on commence la boucle pour. Donc les valeurs ne changent pas ici. Écrire ne modifie pas les valeurs. D'accord? Après, on commence pour d égale à 1, donc on va mettre 1 ici pour di. Très bien. Donc, on va calculer R reçoit N mod DI. Donc, N mod DI égale 10 mod 1. Donc, on remplace DI par 1 égale à 0. Donc, on va avoir 0 pour R ici. Après, est-ce que R est égal à 0? C'est vrai, il est égal à 0. Du coup, on va faire écrire DI. Donc, il va afficher 1. Donc, à l'écran, il va nous afficher le 1. C'est un diviseur. Donc, voilà la première itération. Fin ci, fin pour. On passe à la deuxième itération, c'est la même chose pour di égale à 2. Donc automatiquement le compteur est incrémenté. Par la suite, on calcule le mode, donc on trouve 0. Après, on teste, on trouve que c'est vrai, le mode est le R égale à 0. Donc on va écrire une autre fois di, donc il va afficher 2. Donc 2 aussi, ça fait partie des diviseurs de 10. La boucle numéro 3, la troisième itération, di égale à 3. De la même façon, on calcule le R, donc cette fois-ci R égale à 1. Est-ce que R est égal à 0? Non. 1 égale à 0, ça donne false, donc c'est faux. Du coup, il ne va pas exécuter écrire DI, donc il ne va pas accéder au bloc d'instruction de SI. Et donc il va faire fin SI, fin pour, et on termine l'itération directement. Il n'y a rien à faire. Donc lorsque DI égale à 3, on ne va rien à faire au niveau de l'affichage. Il n'y a aucune valeur qui sera affichée. De la même façon pour DI égale à 4, on trouve le reste égal à 2. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Très bien, false, donc il ne fait rien. On continue le déroulement. Donc pour DI égale à 5, cette fois-ci on trouve le R égale à 0.
Donc, du coup, R égale à 0, donc 5 est un diviseur. Donc, 6 n'est pas un diviseur puisque R est différent de 0. Donc, vous suivez l'exécution. Voilà. R égale à 7, la même façon. Et très bien. R égale à 8, 2, le reste c'est 2, jusqu'à 10. Lorsqu'on arrive à 10, on va trouver R égale à 0. Donc, 10 mod 10 égale à 0. R égale à 0, c'est true. Donc, il va faire écrire des i, il va afficher 10. Donc, j'espère bien que c'est clair pour le déroulement. Voilà comment ça se déroule la boucle. Pour. Donc, ce déroulement, ça vous permet de comprendre comment ça marche. Donc, vous avez remarqué que les instructions R reçoit N mod DI et le test, c'est R est égal à 0, il a été exécuté plusieurs fois. Par contre, écrire des I, il a été exécuté uniquement si la condition R égale à 0 est correcte. Donc, voilà le principe. Voilà comment on recherche les diviseurs, comment on cherche le diviseur d'un nombre entier. Donc, voilà. J'espère bien que vous avez compris. Donc, je vous demande de faire l'organigramme de l'algorithme. Donc, vous regroupez les éléments. Donc, j'espère bien que cette séance ou bien ce cours a été clair. S'il y a des questions ou bien des remarques, vous pouvez me les poser sur les commentaires de la vidéo. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.